L'ennemi a lancé une attaque contre le siège de notre empire, Prince Trakat. Nous sommes parvenus à capturer un contingent de soldats terriens qui s'était infiltré ici même sur Kira. Cette incursion, votre majesté, était un acte de désespoir. Les singes sans fourrure savent qu'ils ont perdu la guerre, alors ils tentent n'importe quoi. La race humaine ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Nous allons gagner. Pour ce qui est des prisonniers, il n'y aura pas d'interrogatoire. Disposez d'eux comme vous l'entendrez. Qu'on les désintègre sur le champ. Silence! Écoutez-moi, mes frères. Ce ne sont pas des guerriers, mais de misérables larves. Une seule de ces créatures mérite qu'on la traite comme un vrai soldat. Celle qui a pour nom Angel. Toujours aussi arrogante, Major Devereaux. Si nous proposions à la Confédération terrienne un traité de coexistence pacifique, accepteriez-vous de le signer? Vous ne voulez pas la paix, vous voulez la guerre. Exact. Et maintenant que nous sommes sur le point de gagner, votre arrogance n'en est que plus vaine et pitoyable. Vous me fatiguez, monsieur. Désintégrez-moi, que je puisse rejoindre mes camarades. C'est hors de question, ma chère. On ne désintègre pas quelqu'un comme vous. Soyez heureuse, je vous réserve un autre sort. Les humains sont incapables d'apprécier à sa juste valeur le sort qui attend cette femme. Car ce n'est pas n'importe qui. En plus d'être une vaillante guerrière, elle est aussi la compagne de celui que nous surnommons Cœur de Tigre. Qu'il repose en paix. La paix. Depuis quand sommes-nous en guerre, Paladin? Depuis une éternité, mon vieux. C'est ma faute si le Concordia a été détruit. Arrête! Tu n'y es absolument pour rien. Certains pensent le contraire. Ici le colonel Christopher Blair, message pour l'amiral Tolwyn. L'épave du Concordia se trouve sur Vespus, près du littoral de Mistral. Aucun survivant. Terminé, on rentre. Tu devrais arrêter de te préoccuper de l'opinion de Tolwyn. Des nouvelles d'Angel? Non. C'est la version officielle. Je sais à quel point tu tiens à elle. Vous avez bien dit le Victory? Je déteste me répéter. Seriez-vous dur d'oreille? Non, amiral. Disons que je... Le Victory est un très bon vaisseau. On le considère comme l'un des meilleurs porte-astronefs de la Confédération. Oui, et comme l'un des plus archaïques. Je vous rappelle qu'un ordre de mission ne se discute pas, colonel. Mais je vous comprends. Ce vaisseau est loin d'offrir le confort auquel vous êtes habitué. Et vous vous méprenez, je voulais juste... Le Victory ne pourra que se féliciter d'avoir à son bord un chef d'escadre de votre expérience. Merci, amiral. Mais
Nous pourrions nous discuter de... Nous venons d'apprendre que les Kilrati se sont repliés dans les systèmes de Morpheus et de Gardel. Et c'est pourquoi je puis me permettre de vous affecter à bord du Victory. Ce que j'essaie de vous dire, colonel, c'est que notre situation s'améliore. La Confédération vient de remporter plusieurs victoires cruciales. Vous pouvez vous retirer. Amiral, avez-vous lu ma demande? Oui. J'avoue que cette demande m'a surpris. Comme vous le savez, la mission qu'effectue le colonel Devereaux est top secret. Colonel, votre navette vous attend. À vos ordres, amiral. En dépit de lourdes pertes dans plusieurs secteurs fortement peuplés, les porte-paroles de la Confédération continuent d'affirmer que l'humanité est sur le point de remporter la guerre galactique contre les Kilrati. Néanmoins, nous savons de sources sûres qu'un certain nombre de raids Kilrati extrêmement meurtriers ont été délibérément passés sous silence par les autorités. Il semblerait même que le gouvernement de la Confédération envisage d'évacuer la Terre avec l'espoir d'installer le berceau de l'humanité dans une lointaine galaxie. La question qui se pose est, qui va partir? Qui devra rester sur Terre? Et surtout, qui est à l'origine de ces décisions pour le moins effrayantes? Bienvenue à bord du Victory, colonel. Merci, capitaine. Plus connu sous le nom de poubelle volante. Quel plaisir de vous revoir, colonel. J'aimerais bien discuter du bon vieux temps avec vous, mais malheureusement, le devoir m'appelle. Si vous voulez bien m'excuser. Nous nous verrons plus tard, Hobbs. Colonel Blair, je sais ce que vous pensez. Le Victory n'est pas le Concordia. Capitaine, le Concordia a été détruit corps et bien. Je sais, une perte terrible. Ça m'a bouleversé. Mais vous êtes à bord de mon vaisseau à présent. N'espérez pas de traitement de faveur, vous faites partie de l'équipage. Sachez que j'ai passé presque toute ma vie sur le Victory. J'ai même participé à son baptême de l'air comme radio. Je dois reconnaître que mon affectation sur ce vaisseau ne m'enchantait pas, mais maintenant que je sais que vous avez un pilote aussi exceptionnel que Ralga Naralas... Oh, Hobbs, j'en ai fait mon commandant, Scon. Il n'est pas pilote ? À sa demande. Je sais que vous et lui, vous avez collectionné les exploits dans le passé, mais les pilotes de ce vaisseau refusent d'avoir un Kilrati dans leur escadre. Hobbs a des états de service exemplaires. C'est parfaitement stupide. Mais c'est lui qui ne veut plus piloter. Capitaine, ne prenez pas ce que je vais vous dire pour un manque de respect, mais je me vois obligé d'insister pour que Hobbs soit immédiatement réintégré dans l'effectif. Voilà un geste admirable, colonel, mais enfin, qu'est-ce qu'il voudra de... Moi, capitaine, je suis tout à fait disposé à prendre Hobbs dans mon escadre. Bienvenue à bord, mon vieil ami. Vous m'avez l'air d'être en pleine forme. Je dirais même que vous êtes resplendissant. Ouais, aussi resplendissant qu'une paire de pompes usées. Mais je suis content de te revoir. Comment va votre fiancée, votre compagne Angel? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas la moindre nouvelle. Elle effectue une mission top secret pour l'amiral Tolwyn. Mais j'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu es réintégré comme pilote. Mais j'avais pourtant demandé à... Ça m'est tout à fait égal, je te veux avec moi pour ma première mission.
Colonel, il y a de nombreux pilotes très valeureux sur ce vaisseau. Ouais, mais lorsque ma vie est en jeu, je veux un pilote digne de confiance. Je ferai tout pour ne pas vous décevoir, colonel. Vous pouvez compter sur moi. Lieutenant Rollins, communication, bienvenue à bord. Alors, le capitaine vous a sorti son baratin? Il m'a parlé, oui. J'ignore ce qu'il vous a dit, mais vous apprendrez très vite à lire entre les lignes. Le capitaine semble fier de son équipage, lieutenant. Ça, c'est excellent pour le moral. Ouais, ben, je peux vous dire que si vous receviez le genre de message que je reçois, vous changeriez de secteur dans la seconde. Accuseriez-vous le capitaine de dissimuler des choses? Non, je n'irai pas jusque-là, colonel. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe ici, venez voir votre copain Rollins. Ça pourrait vous sauver la vie. Hobbs, tu joues aux cartes avec moi? Je parie que je te dépouille de ta solde. Je vous remercie une autre fois. Bienvenue à bord. On fait une partie? Comme vous êtes nouveau sur ce rafio, je vous laisse le choix du jeu. On ne s'embarrasse pas de formalités ici. Franchement, colonel, le protocole, on l'oublie un peu quand on passe sa vie à frôler la mort. Vous ne pensez tout de même pas que nous allons employer nos rares moments de détente à saluer des officiers? Va falloir que je m'y habitue, on dirait, mais je saurais m'adapter. Moi, je m'adapte partout. C'est un art de s'adapter. C'est pour ça qu'on vous surnomme vagabond. Vous vous êtes renseigné sur moi, ce que je vois. Oui, c'est vrai, j'ai pas mal bourlingué. J'ai lu attentivement votre dossier. Y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Où sont les informations manquantes? Allez demander ça au gradé du haut commandement. C'est pas la peine, ils ne sont pas vraiment du genre à faire des confidences. Il y a beaucoup de bons pilotes ici. Que leur dossier soit complet ou non n'a pas d'importance. Jugez-les sur le terrain. J'espère que tout se passe bien pour toi et les autres sur le Concordia. Je suis chargée d'une nouvelle mission secrète par l'amiral Tolwyn. Je crains que nous ne soyons séparés plus longtemps que prévu. Mais n'oublie pas, je t'aime. Je t'aime. Non, vraiment, je t'assure, j'ai rien de mieux à faire. Donc, un petit looping vite fait, bien fait, je me retrouve juste derrière lui, j'envoie le missile et boum, je le transforme en geyser. Tu m'écoutes, là? Et alors? Oh, mais qui est là? Ne serait-ce pas le colonel? Je suis désolé, j'ai raté votre fête de bienvenue. Oh, je n'ai rien, je suppose que vous avez des obligations plus importantes. Ah, le devoir m'appelait. J'ai accouru. Et puis... les femmes ont toujours aimé les battants, colonel. Je suis surpris que vous ne vous soyez pas encore fait descendre, mon cher Major. Par nos propres chasseurs. Beaucoup de personnes apprécient ma façon de piloter. Il n'y a que le résultat qui compte pour moi. D'accord? Je parie que vous pilotez encore les yeux rivés sur le manuel. Je ne prends pas de risques stupides. À propos de stupidité, expliquez-moi pourquoi Hobbs a été réintégré dans l'effectif. Mais c'est pas vrai. Les nouvelles circulent drôlement vite sur ce rafio. J'arrive pas à comprendre ce que vous lui trouvez. C'est simple. Je sais que je peux lui faire confiance. Celui qui trahit sa race n'est pas digne de confiance. Dois-je vous rappeler que c'est moi qui choisis les membres de mon escadre? Le privilège du grade.
Je parie que vous passez vos nuits à faire briller vos galons. Non, je confie ce genre de travail à des majors. Majors. Le grade ne veut rien dire. C'est un trompe-l'œil. Nous savons qui est le meilleur dans un cockpit. Oui, nous le savons. Je continue mon histoire. Donc... Colonel Blair, au rapport immédiatement à la salle de conférence. Merci. Ah, approchez, colonel. Il est temps de mettre votre réputation à l'épreuve. Les services de renseignement de la Confédération font état d'un renforcement des forces Kelrati par le système d'Orsini. Vous et vos pilotes, vous allez sillonner ces trois secteurs et éliminer tout croiseur ennemi qui se trouve dans les parages. J'ai bien compris? Bien compris. Parfait. Partez immédiatement. Voilà. Vous connaissez tous nos objectifs. Ce sera tout. Oh, une dernière chose. Ops. Tu voleras avec mon escadre. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Je suis le chef mécano Rachel Coriolis, bienvenue à bord. Il paraît que vous avez réintégré Hobbs. Ça vous pose un problème, chef? Non, non, aucun, colonel. Vous avez bien fait. Hobbs est un pilote fabuleux. Voici votre chasseur, un L-4-5. Je l'ai entièrement révisé. Il est comme neuf. Bien. Vous l'avez armé aussi? Jusqu'aux dents. Le capitaine m'envoie ses instructions pour chaque mission et je les suis à la lettre. Votre appareil est prêt. Ah, vous l'avez... Je vous rassure, vous pourrez choisir votre armement la prochaine fois. Ou bien vous fier à mon jugement et voler avec les armes de mon choix. Je promets, colonel, de ne jamais vous décevoir. Bien. Sacré Hobbs, elle est quand même pas se laisser avoir par un Kilrati, il les connaît tous par cœur. Toutes mes félicitations, colonel. Ouais, on aurait dit le bon vieux temps. Je dois avouer que ça m'a fait du bien de me retrouver à nouveau dans un cockpit. Ah, quel plaisir! Oui. Vous avez ma reconnaissance éternelle, colonel. Ah, laisse tomber. Tu sais bien que ta place est dans une escadre. Oh, bonjour, colonel. Rompez, lieutenant. Continuez. Je jouais un rock très populaire dans mon pays. On peut apprendre un tas de choses à propos d'un pays rien qu'en écoutant sa musique. Il y a des planètes où tous les accords sont des accords mineurs. Ça vous donne envie de vous inscrire pour une mission suicide. Mais ce morceau-là, il a la pêche, il me donne envie d'aimer la vie, il vous donne envie de rêver. Dites-moi, lieutenant, vous êtes pilote ou musicien? Oh, je suis pilote. Un excellent pilote même, vérifiez mes états de service. Mais dans ma famille, on fabrique des guitares depuis plusieurs générations. Ouais, j'en ai plein à la maison, dont une qui a à peu près 200 ans. Elle a un son incroyablement cristallin.
Mon rêve, c'est d'ouvrir un bar ou un club où je pourrais taper le bof tous les soirs. Un point de chute pour des vieux briscards comme vous et moi. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais comme c'est parti, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de clients. Oh, soyez tranquille, il n'y aura pas uniquement que des militaires, non. Ce club sera ouvert à tout le monde. Ce sera un endroit peinard. Un endroit avec plein de femmes et de musique. Un endroit où on s'amusera toute la nuit. C'est un très beau rêve, Vaquero. Vous le réaliserez. Oh, j'espère, colonel. Il y a pas mal de gars dans l'armée qui adorent tuer. Moi, quand la guerre sera finie, je retournerai dans le civil. Parlons franchement. Il n'y a pas grand-chose à dire, mon colonel. Vous avez pris cette chose dans votre escadre et ça a marché. Nous devons parler, lieutenant. Je considère la discussion comme close. Il fallait réfléchir avant de vous fier à cette chose. Si vous voulez parler de Hobbs... Je ne volerai jamais avec lui. Si vous restez sur ce vaisseau, cela se présentera un jour ou l'autre. Ne me mettez pas dans une situation où j'aurai à le défendre, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça et ce sera toujours comme ça. Et tout ce que vous pourrez dire n'y changera rien. Très bien. Je vais prendre mes dispositions pour que vous ne voliez jamais dans la même escadre que lui. Je ne demande pas de traitement de faveur. Nous avons besoin de tous les pilotes d'élite du vaisseau. Et pour votre gouverne, j'ai une entière confiance en Hobbs. Ça, c'est votre affaire. Je serai bref, colonel. Capitaine. L'une de nos stations de localisation nous a signalé la présence d'appareils Kilrati dans ces secteurs. Vous allez prendre une patrouille et faire un petit nettoyage par le vide. Le rapport de la station est très sommaire. Il se peut que vous tombiez sur un vaisseau amiral Kilrati. Alors au boulot, colonel. Voilà. Vous connaissez tous nos objectifs. Ce sera tout. Oh, une dernière chose. Maniac, vous allez voler avec moi. J'espère ne pas avoir à le regretter. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Colonel, Maniac s'en est tiré. Mauvaise nouvelle, il est toujours sur la liste des pilotes. On fera avec. Bonsoir, colonel. Salut. Asseyez-vous. Merci, chef. Dites-moi, il y a une rumeur qui circule. Il paraîtrait qu'un des pilotes d'essai de l'état-major va nous livrer un Excalibur, c'est vrai? L'état-major ne me dit pas tout. J'espère que c'est vrai. J'en ai jamais vu un de près, je suis morte de curiosité. Vous aimez vraiment votre job? Ouais, et si ce pilote d'essai m'empêche de m'approcher de l'appareil, je les borne. Sacré Rachel, avec vous, il n'y a pas de demi-mesure. Vous savez, dans mon job, il n'y a pas vraiment de place pour les demi-mesures. Soit un moteur fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Les machines ne mentent pas. Elles mentent moins que les gens, en tout cas. Là, je vous trouve un petit peu sévère. Je les fais toujours passer au banc d'essai avant de les juger. J'ai une tranche horaire spéciale pour ça. Et est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour passer au banc d'essai?
Ça dépend, j'ai des exceptions. Technique concernant l'extérieur à 12h. Les ingénieurs Juan et Ogé vont se présenter dans la salle de mission numéro 7. Ah, colonel, parlons un peu de votre attitude. On m'a rapporté que vous ne teniez pas mes membres d'équipage en très haute estime. Et en particulier mes pilotes. Alors apprenez à les connaître et voler avec eux. Est-ce que c'est clair? Mais oui, c'est très clair. Très bien. Venons-en à votre prochaine mission. Un gros vaisseau de la Confédération transportant des médicaments doit être escorté jusqu'à cette base d'envol, ici. Malheureusement, les Kilrati sont au courant de sa destination et vous pouvez être certain qu'ils vont tout faire pour le détruire. Alors, bonne chance. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Oh, une dernière chose. Cobra, vous volerez avec moi pour cette mission. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Je n'ai pas choisi les bonnes armes, c'est ça ? On vient de la ramener à bord. Génial. Colonel? C'est vous qu'on appelle Flint, n'est-ce pas? Vous avez regardé le tableau de service? Oui, j'y ai jeté un coup d'œil. Ici, il y a d'autres pilotes en dehors de ceux avec qui vous avez déjà volé pour d'autres missions. Jusqu'à présent, l'affectation de mes pilotes est une de mes prérogatives. Colonel, je suis issu d'une longue lignée de pilotes de chasse. D'abord mon grand-père, puis mon père, et mon frère également. Vous voyez, c'est héréditaire. Qu'essayez-vous de me prouver? Je connais vos états de service, et j'imaginais que le moins que vous auriez pu faire, c'est de vérifier ceux du Victory. Nous avons fait nos preuves, nous ne sommes pas des pilotes de deuxième ordre. Mais personne ne vous dit ça. Je suppose que vous avez peur que je ne sois pas à la hauteur au premier combat? Que se passera-t-il au 20e combat, et au suivant? Peut-être aurez-vous un coup de fatigue, ou juste un peu d'angoisse? Non, quand je prends un pilote avec moi, je veux toutes les garanties. Si vous volez uniquement lorsque vous avez toutes les garanties, vous ne devez pas voler très souvent. Vous avez d'autres recommandations? Oh, je n'avais pas la prétention de vous dicter votre conduite. Je ne suis qu'un petit soldat. Hein? Ouvrez grand vos oreilles, colonel. Je vous écoute. Un vaisseau de la Confédération transportant des civils traverse actuellement le système d'Orsini. Il va avoir besoin d'une escorte. Et ce d'autant plus que nos services de renseignement viennent d'apprendre que les Kilrati sont en train de tester une nouvelle arme semi-invisible à laquelle l'état-major a donné le surnom de Skipper. Il s'agit d'un missile qui disparaît puis réapparaît toutes les 3 ou 4 secondes avant de détruire sa cible. Comme il est invisible la moitié du temps, il est très dur à neutraliser. Colonel, il y a de nombreuses vies en jeu et j'espère que vous en êtes conscient. Je ferai de mon mieux, capitaine. Je vous fais confiance. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Oh, une dernière chose. Vaquero, vous volerez avec moi pour cette mission. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance.
Vous n'avez pas confiance en mes armes, hein? Super guitariste continuera de plaquer ses accords ravageurs. Waouh, youhou. Dites, colonel, où est le pont? L'état-major veut mon rapport technique. Je vous ai entendu sur notre radio avant votre atterrissage, major. D'où vous vient ce surnom de Flash? De mon commandant à West Point. Ce surnom correspond tout à fait à ma personnalité. Hé, Patouche, cet appareil est top secret, là, dégagez. Vous faites quoi, si je peux me permettre, colonel? Christopher Blair. Ah, c'est vous. Votre nom est dans tous les manuels de pilotage. Est-ce qu'un bon pilote est celui qui collectionne les exploits? Non, un bon pilote, c'est celui qui a son nom imprimé dans les manuels. L'Excalibur est une véritable merveille. Malheureusement, j'ai tout le temps l'autre garde-chiombe sur le dos. Ne me dites pas qu'il ne vous laisse pas faire votre boulot. Avec ses mains d'artiste, je pourrais rendre cet appareil deux fois plus performant. Oui, avec votre talent, ça ne fait aucun doute. Sans vouloir paraître alarmiste. C'est maintenant qu'il faut tester l'Excalibur et lui apporter les améliorations nécessaires. Après, il sera trop tard. Je parie que vous aimeriez bien savoir ce qu'il a dans le ventre. Si l'envie vous prenait brusquement de faire un petit vol d'essai, faites-le-moi savoir. Ça fait une éternité que j'ai pas volé pour le plaisir. Un cent de plus pour ne pas vous en priver. Ah. J'en ai marre comment voici morveux. À peine sorti de l'école. La jeunesse et la sagesse font rarement bon ménage, capitaine. Vous êtes le seul maître à bord, capitaine. Il n'obéit qu'aux ordres de l'amiral Tolwyn. Colonel, l'ennemi attaque. Lancez tous les chasseurs. Alerte rouge, lancez tous les chasseurs, lancez tous les chasseurs. Ceci n'est pas un exercice, ceci n'est pas un exercice. Thank you.
Vous pouvez me dire ce que vous faites ici? Dans l'immédiat, je me réveille, colonel. Vous n'avez pas entendu la sirène d'alarme? Si, elle m'a presque empêché de dormir. Nous avons essuyé une attaque, je vous signale. J'allais pas gâcher mes talents pour une petite escarmouche. Beaucoup des nôtres ont été tués, espèce de petits salauds. C'est la guerre, il y a obligatoirement des gens qui meurent. Je suis prêt à faire un pari. Ah ouais? Je parie que vous n'avez jamais vu un pilote griller vif dans un cockpit, Major. J'ai toujours fait ma part de travail. Je crois que j'ai probablement jamais rencontré quelqu'un d'aussi trouillard. Pensez ce que vous voulez. Moi, j'ai mes ordres. Ouais. Et évidemment, vous vous planquerez derrière vos ordres jusqu'à la fin de la guerre. À mon avis, il faut le tuer. Ou alors, on pourrait l'attacher sur l'un de mes réacteurs. Comme toujours, Maniac, ta solution au problème n'a pas de sens. Ah, moi, dès que j'ai l'occasion, je vole. J'en manque pas une, crois-moi. Et même mort, on pourra pas me sortir du cockpit. Oh, arrête un peu de jouer les héros, on n'y croit pas du tout. Le colonel va s'occuper de lui. Ah, écoute, le colonel n'a pas une once... À votre place, je ne terminerai pas cette phrase, Major. Ce n'était qu'une spéculation sur le nouveau pilote pour savoir quand il voudra voler. Ah. Mm-hmm. Eh bien, d'une façon ou d'une autre, nous saurons très vite de quelle façon il se comporte. Ça, je vous le garantis. Il est comme ça avec toi? Approchez, nous n'avons pas une seconde à perdre. Si les Kilrati ne nous attaquent plus pour le moment, c'est parce qu'ils ont une opération très importante en cours, dont l'objectif est Tamayo 2. Leurs transporteurs sont déjà en route. Vous et votre escadre, vous devrez éliminer les chasseurs d'escorte, puis détruire ces transporteurs. Vous allez avoir besoin d'une puissance de feu maximale. Prenez tous les pilotes disponibles, vous décollez dans 5 minutes. À vos ordres, capitaine. Regardez. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Oh, une dernière chose. Vagabond, vous allez voler avec moi. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Vous allez piloter un nouvel appareil, colonel. Yeah.
n'aviez pas le droit de faire ça, colonel. Moi, au moins, j'ai le courage de le piloter, cet appareil. Vous croyez que l'état-major a envie qu'un pilote sur le retour bousille un prototype? Ça, vous ne risquez pas de le bousiller, vous ne volez jamais. Est-ce que vous avez seulement appris à piloter, major? Et attention à ce que vous dites, espèce de vieux débris. J'ai bien envie de vous donner une leçon. Je vous prends au simulateur de combat, et là, on verra bien qui est le meilleur. À une condition. Si vous perdez, vous demanderez à être transféré dans l'effectif des pilotes de chasse à bord du Victory. Et pourquoi pas, puisque je vais gagner? Colonel, si vous perdez, il faudra me cirer les pompes devant tout l'équipage. Il y a quelqu'un qui veut jouer au poker avec nous, devinez qui? Génial. Pourquoi avez-vous accepté ce défi stupide, colonel? Il m'a mis hors de moi. Écoutez-moi. Je n'aime pas ces petits jeux de frimeurs à la con. Je trouve ça lamentable. Et en plus, ça peut être très mauvais pour le moral. Si jamais vous perdez, vous passerez pour un ringard aux yeux des pilotes. Aussi, je dois vous donner un conseil, colonel. Donnez-lui une leçon à ce petit prétentieux. À vos ordres. L'exposition d'art japonais de la période Edo sera organisée dans le hall principal à la fin du mois. Toutes mes félicitations, colonel. Ça, c'est du pilotage. Mais ce sera une autre paire de manches contre les chasseurs qu'il ratit. Pourquoi continuons-nous à lancer des raids contre le système de Locranda? Ses ressources naturelles sont complètement épuisées, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins que sa population, même si elle ne s'est jamais montrée très malléable, constitue une excellente réserve d'esclaves. Nous avons plus d'esclaves qu'il ne nous en faut. Les terriens veulent ce système, et bien ils l'ont. J'ai bien peur que ce ne soit mal interprété, Seigneur. Ces maudits terriens vont penser que nous avons peur. Ils vont croire à une... quel est déjà ce mot étrange qu'ils emploient? Reddition. Non, il ne s'agira pas d'une reddition, mais d'un avertissement, d'un message. Puisque le système de Locranda ne nous sert plus à rien, nous allons le rendre complètement inutilisable pour les terriens. Comme toujours, Monseigneur, voilà une sage décision. Je connais bien ce secteur. Il y a plein d'endroits pour se cacher dans ce système. C'est la première fois que vous venez? Je connais parfaitement ce système. Mon père m'a appris tout ce qu'il fallait pour voler ici. Il avait pensé apprendre tout ça à mon propre frère, mais... les Kilrati l'ont abattu. Je suis désolé. C'est la vie. On perd tous un jour quelqu'un de cher. On n'a pas de médaille pour ça. Et vous n'étiez jamais revenu? Où était votre planète? L'exposition d'art japonais de la période Edo sera organisée dans le hall principal. C'était un monde merveilleux. Le ciel pourpre étincelait la nuit. Et puis je me souviens des lunes qui se pourchassaient entre elles. Il y avait aussi les insectes. Ils chantaient différemment selon l'emplacement des lunes. Mon frère et moi adorions les écouter. Vous vous rappelez comment c'était avant la guerre? Non, je ne vis pas de souvenirs. J'ai des comptes à régler ici, colonel. Il n'est pas question que je reste sur la touche lors des combats. Je veux absolument y participer. Flint, quand vous volerez, est-ce que vous serez mon pilote ou celui de votre frère? Colonel, j'aimerais vous présenter mes excuses pour ce que j'ai dit. C'est un peu tard. Remarquez, je crois que j'aurais pu vous mettre une bonne raclée. Vous voulez qu'on y retourne? Non. Non, je ferai mes preuves contre les Kilrati. Si vous acceptez de me prendre avec vous dans l'effectif, bien sûr. Vous êtes sur la liste. Et vous aurez votre chance, comme tout le monde. Merci, colonel. Approchez-vous, colonel. J'attends vos instructions.
Nous ne connaissons pas encore les véritables intentions des Kilrati concernant ce secteur. En attendant, votre tâche sera de détruire un maximum de croiseurs ennemis. Nous voulons surtout leur barrer l'accès aux planètes habitées et à ce champ d'astéroïdes. Essayons de nous débarrasser de ces croiseurs Kilrati une fois pour toutes. Entendu, colonel ? Prêt à décoller. Votre enthousiasme fait plaisir à voir. Ça sera tout. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Oh, une dernière chose. Flint, vous volerez avec moi pour cette mission. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Pas cette tête-là, colonel. Flint s'en est tiré. On l'a récupéré. Colonel, les Kilrati emploient probablement des armes bactériologiques. Première nouvelle. Ça fait des années que les Kilrati travaillent sur ce type d'armes. Et s'ils ne les utilisent pas ici, alors ils les utiliseront ailleurs. Dites-moi, comment êtes-vous aussi bien renseigné sur les Kilrati ? Je sais très bien que vous ne me croyez pas, je m'en fiche. C'est là où vous faites erreur. Je suis prêt à vous croire. Si seulement vous vouliez me livrer votre secret. Vous êtes déjà venu dans le coin, non? Il paraît que les Kilrati ont dépouillé ce système de toutes ses ressources naturelles. Avec les Kilrati, on peut s'attendre à tout. Il y a quelques mois, j'ai même entendu pire que ça. Apparemment, ils auraient asséché la planète. Plus une goutte d'eau. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils l'ont entièrement saupoudré de poussière bactériologique. Il semblerait même que tout le secteur soit contaminé. L'horreur totale. Un vrai nid à virus. Le système entier a été mis en quarantaine hors de l'état-major, et personne n'a le droit d'en parler. Cette fois-ci, les Kilrati ont vraiment dépassé les bornes. Mais ils ne perdent rien pour attendre. On va leur en faire voir de toutes les couleurs. Très bien, allons-y, colonel. Je vous écoute. Nous ne savons toujours pas avec certitude quelles sont les intentions des Kilrati concernant ce secteur. Un certain nombre de leurs vaisseaux sont repartis, mais il y en a eu d'autres qui les remplacent et qui se dirigent sur Lokanda 4. Nos services de renseignement pensent qu'ils ont de nouveaux missiles, des missiles bactériologiques capables de contaminer toute une planète en l'espace de quelques minutes. Si cette information est correcte, sachez que le virus en question a une longévité de 500 ans. Colonel, pas un seul de ces missiles bactériologiques ne doit passer et toucher Lokanda. Autrement, la population mourra lentement, très lentement, d'une maladie affreuse et dévastatrice. Et à ce moment-là, tout ce qu'il nous restera à faire, c'est de foutre le camp le plus vite possible. Bonne chance. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Oh, une dernière chose. Flash. Vous allez voler avec moi. Observez et apprenez. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Avez-vous volé à mon secours, vous auriez pu y rester? C'est vrai, oui. C'est le capitaine qui vous a dit de... Non, c'est moi qui ai pris cette décision. Est-ce que je dois me jeter à vos pieds? Ah, oh, j'ai jamais su dire merci. Hé, c'est inutile. J'avais un compte à régler.
Flint, il faut que vous appreniez à vous contrôler. Nous ne faisons pas de mission suicide ici. On ne pilote pas avec ses émotions, mais avec sa tête. Vous ne pilotez jamais avec vos émotions. Non, le jour où ça m'arrivera, j'espère que vous me passerez un savon, jeune fille. C'est un ordre. Colonel, quand j'étais gamine, mon père ne me lisait pas des contes de fées pour m'endormir, mais des récits de guerre. Dans certains cas, on est forcé d'agir. C'est vrai, en effet, mais on ne doit pas faire n'importe quoi. Et sachez qu'en temps de paix, je vous aurai immédiatement consigné au sol. Seulement, nous avons trop besoin de pilotes. Alors j'espère que vous saurez prendre vos responsabilités à l'avenir. J'essaierai de m'en souvenir, colonel. Flash n'a pas eu de chance, mais on l'a récupéré. Peut-être qu'il frimera un peu moins après ça. J'ai fait des raids sur ces planètes. Ouais, je sais. Ça m'intrigue un peu, tous ces rapports sur les Kilarati. Il paraît qu'ils abandonneraient le système. Abandonner. Même si je comprends ce mot dans votre langue, j'ai beaucoup de mal à le saisir. Je n'arrive pas à deviner ce que mes anciens camarades préparent. Les Kilarati sont très dangereux, surtout quand on ne sait pas ce qu'ils ont en tête. Que je vous ai remercié pour votre excellent travail dans le système de Lokanda. C'est inutile. Si j'avais davantage de pilotes comme vous, colonel, la guerre se terminerait plus vite. Je suis ravi de constater que vous n'avez rien perdu de votre efficacité sur le Victory. Merci, capitaine. Alors, vous croyez toujours qu'on va la gagner, cette guerre? Pourquoi affichez-vous ce pessimisme chronique? Parce qu'il faut être aveugle pour ne pas voir que les choses vont de mal en pis, voilà pourquoi. Expliquez-vous. Primo, on n'a pas eu de perme depuis des mois. Deuxio, toutes nos missions sont de nature défensive. Et Tertio, nous n'arrêtons pas de battre en retraite. Alors, est-ce le fruit de mon imagination, ou bien avons-nous devant les yeux les symptômes de la défaite? Rollins, j'ai comme l'impression que vous vous complaisez dans une espèce de parano malsaine. C'est criminel de répandre des rumeurs défaitistes sur un vaisseau. Alors désormais, vous garderez vos théories vaseuses pour vous, autrement je vous fais affecter au recyclage des ordures. L'exposition d'art japonais de la période Edo sera organisée dans le hall principal. À vos ordres. C'est pour l'éternité. L'éternité, ce ne serait pas aussi long. Très bien, allons-y, colonel. La tâche qui nous attend est simple. Nous contrôlons le secteur et la base d'envol. Les Kilarati veulent nous déloger. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les maintenir à distance. Compris, colonel? Faites de votre mieux. Bonne chance. Vraiment assuré. Merci, chef. Je ne peux pas me permettre d'avoir des têtes brûlées dans mon escadre, c'est trop dangereux. Alors vous êtes consigné au sol jusqu'à nouvel ordre.
Enfin, tiens, tiens, notre playboy en personne. Alors, il semblerait que l'on veuille s'attacher les faveurs de notre mécano. Jaloux? Oh, il n'y a pas besoin de manœuvre d'approche avec elle, ça devrait être à votre portée. Vous savez ce que l'on dit dans ce cas, le premier arrivé est le premier servi, c'est bien ça. Ouais. Oh merde, les filles, un jour je vous saurai. Colonel, puis-je vous parler en privé? Oui, bien sûr, allez-y. Merci. C'est ça que je trouve bien chez vous. Officier de jour et demandeur. Vous faites pas de chichi comme certains officiers. Je vous écoute. Dans votre regard, il y a une lueur qui me fait peur. J'ai connu quelqu'un. Il était pilote comme vous. Et l'un de ses hommes s'est fait abattre. Il s'en est voulu terriblement. Tout le monde lui a dit que c'était pas sa faute, mais il ne voulait rien entendre. Alors un jour, il a sauté dans un chasseur. Il a quitté la base pour affronter seul un porte-astronef qu'il ratit. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Si ça se trouve, il est encore en vie. Je ne l'ai jamais revu. Fin de l'histoire. Et dans votre regard, il y avait la même lueur que j'avais vue chez lui avant qu'il ne parte. Vous voulez bien m'en parler? J'ai aussi perdu quelqu'un. Et je ne sais même pas si elle est vivante. Je n'ai pas la moindre nouvelle. Peut-être qu'elle a réussi à se poser en pays neutre. Peut-être même qu'elle en a eu assez de la guerre et qu'elle a préféré déserter. Je ne sais pas, en fait. Et tout est possible, vous savez. Tout reste un mystère. Eh, peut-être bien que mon petit ami et votre fiancé se sont égarés dans la galaxie. Ça voudrait dire qu'ils sont encore en vie. Ouais. Vous les voyez demander leur chemin à un policier? On demande des médecins dans le labo du chef Potter, pont numéro 3. Ah, vous voilà. Comme toujours, le boulot qui nous attend n'a rien de sorcier. Comme toujours. Maintenant que nous avons repoussé le siège qu'il ratit, nos vaisseaux d'approvisionnement vont pouvoir rallier notre base. Il leur faudra une escorte. Et ils devront rejoindre la base sans une égratignure. Autrement dit, colonel, ce sera à vous de leur dégager le chemin. Nous les débrouillons pas mal. Continuons comme ça. Prêt à décoller, capitaine. Bravo. J'aime cet enthousiasme. Bonne chance. Avait fait baver. Eh oui, chef. Belle performance, votre dernière mission. Enfin, le peu que j'ai pu voir à bord du Victory. Ça a été difficile pour vous de rester sur la touche, je sais. Oh, parfois je suis heureuse qu'il y ait une guerre et je me déteste à ce moment-là. J'ai connu... Non, je veux dire... Je connais une personne qui ressent ça. Elle vit pour le combat, pour les causes justes. Ce que j'aime, moi, c'est piloter. J'adore la pureté. Ne rien avoir qui me retienne. Eh oui, seuls les pilotes connaissent cette sensation. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, colonel, c'est que je ne vis que pour une chose, piloter. Je demande à être réintégré dans l'effectif. N'être que supporter, je n'apprécie pas beaucoup. Vous avez raison. Vous auriez dû le dire plus tôt. Ah. Tout le monde ne réagit pas aussi vite que vous, colonel. Merci, colonel. Ah, vous voilà. Excellente idée d'avoir repris Flint dans notre escadre. Nous avons besoin de tous nos pilotes d'élite en ce moment. Et c'est une fille courageuse. Très bien, messieurs. Allons-y. Nous attendons la venue d'un convoi d'armement. Si nous parvenons à lui faire traverser ce barrage de croiseurs ennemis, notre base aura les armes nécessaires pour se défendre. Nous devons protéger ce convoi à tout prix. Au boulot.
vraiment morflé ce coup-ci. Ah. Je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous maudire d'avoir fait de Flash un vrai combattant. À vous de voir, capitaine. Ah, pas de répit pour les braves, hein? Bien, allons-y. À vos ordres, capitaine. Les Kilrati ont envahi ce système en grand nombre. Nous n'avons pas d'autre solution que d'évacuer notre base d'état-major. Vous devrez escorter et protéger nos convois d'évacuation et les amener sains et saufs à la base d'envol. Ça ne sera pas facile, colonel. Bonne chance. Échappé belle. Je suis heureuse de ce qui a été fait ici. Est-ce que les enjeux seraient moins personnels dans ce système? C'est dur de l'admettre, mais c'est un vrai peuple qui vit ici, tout comme le peuple du système de Lokanda. Enfin, pour moi, ça reste quand même un peu flou. Je sais pas à quoi ils ressemblent, j'ai pas d'image d'eux. Heureusement, sinon vous auriez des cauchemars. Ah, colonel. Examinons votre nouvelle mission. Oui, capitaine. Nous sommes dans notre phase finale d'évacuation. Mais pour éviter les forces ennemies et assurer la protection des convois de passagers dont nous avons la charge, nous allons emprunter une route inédite. Un pulsar. Comme vous le savez, colonel, les rayons gamma émis par un pulsar peuvent être très dangereux. Votre seule protection, ce sera l'ombre projetée par cette planète à proximité de la base d'envol. Bonne chance, colonel. Ça va, Flint? Ouais. Tu as risqué ta vie pour moi. Laisse tomber. Tu aurais fait la même chose à ma place. Tu n'as rien à te reprocher. C'est normal de vouloir tuer les Kilrati. Allez, va te reposer. Cobra est un sacré pilote. Ouais, sans elle, j'y passais. Colonel Blair, report to the briefing room. Colonel Blair, report to the briefing room. Non, non, pas maintenant. J'en ai assez qu'on vienne constamment me déranger. Qui révise vos appareils? C'est moi. Et j'ai vraiment pas le temps de discuter. Il nous reste encore à évacuer un dernier convoi. Nous devons l'amener sain et sauf jusqu'à cette base d'envol. Et ensuite, sauf qui peut. Si vous réussissez cette mission, ça fera beaucoup de bien à la réputation du Victory. Alors je compte sur vous. Nous réussirons. Les paris sont ouverts. Tant que ça bouge. Je ne vous avais encore jamais vu dans un pareil état. Ce sourire sur votre visage, ça fait plaisir. J'étais en train de me demander combien de Kilrati j'allais tuer. Maintenant que nous sommes sur leur territoire, ça va barder. Eh ben, dites donc. J'ai rarement vu un de mes pilotes avoir autant d'enthousiasme. Je ne suis pas devenu pilote pour faire de la figuration.
On va les exploser, lieutenant. Une partie de cartes, colonel ? Ça vous ennuie si je coupe, lieutenant ? Un vieux de la vieille. Les débutants ont tendance à oublier de couper et après ils sont étonnés lorsqu'ils perdent. Bien fait pour eux. Ça leur apprendra à ne pas être vigilant. J'ai entendu dire qu'on va attaquer une garnison. Non, je ne suis pas au courant. J'ai peut-être pas l'air comme ça. Mais je suis pas né de la dernière pluie. Et je fais mieux mon boulot quand je connais la vraie nature de notre objectif. L'état-major a pris la sale habitude de qualifier tous nos objectifs de militaires ou de stratégiques, même quand c'est faux. J'en ai ras-le-bol d'entendre ces conneries. Allons, un peu de sérieux, on n'a pas pour habitude de tuer des civils innocents. C'est la différence entre les Kilrati et nous. Oui, c'est comme aux cartes. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas à savoir si le jeu est truqué. Laissez-moi deviner, ça va être votre baptême ? Je vous demande pardon ? Je veux dire, votre baptême du feu, c'est votre premier combat, non ? Je crois qu'on se bat mieux sur son propre terrain. Vous savez, les lignes ennemies ne sont que des pointillés, Vaquero. Des pointillés sur une carte. Ne vous inquiétez pas. Pour une fois, on leur en a fait voir de toutes les couleurs au Kilrati. En effet, lieutenant. Peut-être qu'on a une chance de la gagner, cette guerre. Ouais, c'est possible. Mais moi, à votre place, je ne crierai pas victoire trop tôt. C'est un peu grâce à vous si nous sommes actuellement dans l'espace territorial Kilrati. Vous avez fait honneur à ce vaisseau. Bien. Vous savez sans doute déjà que nous sommes ici pour détruire la garnison militaire de ce système. Nous allons devoir les attaquer par surprise, car l'endroit grouille de patrouilleurs. Aucun de leurs vaisseaux ne doit s'échapper. Sinon, les Kilrati seront immédiatement prévenus de notre présence et notre plan tombe à l'eau. Ce qui nous obligerait à annuler cette opération avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Alors pas de quartier, aucun d'eux ne doit en réchapper. Aucun n'en réchappera, soyez tranquille. Ah, j'aime les gars qui ont pas froid aux yeux. Vraiment assuré. Merci, chef. C'est bien d'avoir pris cette décision. Il fallait qu'on livre bataille à l'ennemi. Oh, un petit combat de temps en temps, ça remonte le moral. Étrange. En dépit des compétences et du courage qu'exige le pilotage, les Kilrati ne sont jamais entièrement satisfaits ni rassasiés par les combats interstellaires. Ce que vous aimez, c'est le combat rapproché. Nous apprenons à nous servir de nos griffes avant même de savoir parler ou marcher. J'imagine que ça doit vous paraître sauvage, primitif. Tuer, c'est tuer, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Tu es l'un de nos meilleurs pilotes, Hobbs. Alors ne commence pas à te poser des questions existentielles. Vous êtes demandé au contrôle de sécurité Alpha 9. Salut, colonel Sagat.
Vous m'avez l'air très enjoué. Il paraît que notre situation s'est considérablement améliorée. Quand j'étais gamine, mon père me donnait des cours privés sur les batailles et les campagnes célèbres. L'armement évolue sans cesse, mais on peut beaucoup apprendre du passé. Prenez la guerre de Troie. C'est une guerre qui a, elle aussi, duré plusieurs générations. Et qui s'est terminée avec l'épisode du cheval de Troie, c'est ça? Oui, selon la légende, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle s'est terminée. Heureusement que toutes ces guerres ne durent pas éternellement, juste quelques millénaires. Jetons un coup d'œil à cette mission. À vos ordres. Ça, c'est le genre de mission que tous les capitaines de vaisseaux recherchent. Nous allons faire le mort. En plein dans cette nébuleuse, ici. Les Kilrati se servent de cette nébuleuse pour masquer les convois qui entrent dans le système ou qui le quittent. Plus nous resterons invisibles longtemps, plus nous pourrons leur causer de dégâts. Aucun de leurs vaisseaux ne doit s'échapper. Inutile d'insister sur les risques que vous courez à l'intérieur d'une nébuleuse. Vous devrez naviguer à vue. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui soient capables de sortir vivants d'une nébuleuse. Ce type de mission vous convient parfaitement. Je ne vous décevrai pas, capitaine. Vraiment assuré. Merci, chef. Ah, on peut dire qu'on a du bol. On n'arrête pas de passer d'une nébuleuse à une autre, comme si on avait gagné un voyage organisé pour faire le tour de la galaxie. Il faut voir le côté positif, vous ne croyez pas? Lequel? Eh bien, ça fait pas mal d'endroits pour se mettre à l'abri. Ça, c'est drôle. Ah, pas de répit pour les guerriers, hein? Allons-y. Puisqu'il le faut, capitaine. Nous faisons nos valises et nous nous tirons d'ici, colonel. Selon nos services de renseignement, les Kilrati nous ont repérés. Alors nous allons sortir ce vieux rafio de la nébuleuse et l'emmener jusqu'à la base d'envol. D'accord, colonel? Mais essayons de ne pas nous faire remarquer. Je déteste les adieux qui n'en finissent pas. Travail, colonel. Avait fait baver. Eh oui, chef. Melek, comment se fait-il que le porte-astronef terrien ait réussi à nous échapper? Je croyais pourtant que nous avions masqué leur passe d'envol. À mon regret, maître, ces maudits terriens sont parvenus à trouver une autre base en dehors de la nébuleuse. Un endroit où nos techniques de brouillage ne fonctionnent pas et... Et quoi d'autre? Nous avons appris, avec un peu de retard, je le reconnais, que, nous avons appris que le cœur de tigre était l'un des pilotes chargés de protéger leur vaisseau. L'empereur ne doit rien savoir de cette incursion victorieuse des terriens. Est-ce que c'est vrai? Je pense comme vous, Seigneur. Excellente décision. Il vaut mieux que l'Empereur garde son attention fixée sur notre objectif suprême, la victoire finale de notre peuple. Une victoire que Cœur de Tigre ne cesse de retarder, maudit soit-il. J'ai attendu bien des années, Melek, mais finalement, l'heure est venue. L'arme secrète. Un plan tout point admirable, Seigneur. Préparez-vous à envoyer le message. Tu
Vous auriez dû nous dire que les Kilrati peuvent masquer les bases d'envol. Lieutenant, je ne pense pas que mes compatriotes soient en mesure de faire une telle chose. Alors comment expliquez-vous que la base d'envol ait disparu de mon écran? D'après notre vénéré capitaine, l'ennemi a juste brouillé nos transmissions. Ça doit être la proximité de la nébuleuse qui a permis ce phénomène. Ce qui expliquerait pourquoi les Kilrati ont utilisé le système d'Ariel pour le passage de leur convoi. Vous vous foutez de moi ou quoi? Vous connaissez le système d'Ariel comme votre poche. Alors n'allez surtout pas me raconter que vous ne saviez pas ce qui nous attendait. C'est pourtant la vérité, lieutenant. Vous mentez. Excusez-moi, lieutenant. Si vous avez des preuves de ce que vous avancez, communiquez-les-moi en privé, d'accord? À vos ordres. Colonel, est-ce que vous douteriez de moi par hasard? Oh, bien sûr que non. Quelle question. Mais Cobra est un bon pilote, en grande partie à cause de sa haine des Kilrati. Ça n'est vraiment pas le moment de s'en faire une adversaire. Ils rendent invisibles nos bases d'envol. Et après, quoi d'autre? On est fait comme des rats, ils vont nous massacrer. C'est une question de temps. Nous ne savons pas s'ils sont capables de masquer toutes nos bases d'envol. Pour l'instant, ils n'en ont masqué qu'une seule. Quand je pense que... que je suis ici uniquement à cause d'un pari stupide. Voilà ce qui arrive quand on a une grande gueule. Colonel Blair, report to the briefing room. Colonel Blair, report to the briefing room. Que se passe-t-il? Notre système de transmission est complètement brouillé. Collins, ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire. J'essaie, mais il y a comme une sorte de virus dans l'unité centrale. Il va nous falloir beaucoup de temps pour le neutraliser. J'ai lu votre Bible, Terrien, on y prédit l'apocalypse. Il ne vous restera plus que vos yeux pour pleurer, Terrien. Cette prédiction est sur le point de se réaliser. Nous vous arracherons la langue, nous. Nous vous arracherons la langue, nous. Nous vous découperons la cervelle. Et encore, ça c'est juste les préliminaires. Vous servirez d'exemple pour les autres races de la galaxie. Des animaux de foire. Notre peuple. Comme animal de foire? Non mais je crois que tu t'es pas bien regardé, mon... Votre race connaîtra mille tourments et davantage. Ne soyez pas rassurés. Davantage, ne soyez pas rassurés par la présence de cœur de tigre parmi vous. Le colonel Blair lui connaîtra les joies de l'éviscération. Colonel, vous paierez pour chaque vaillant Kilrati que vous avez tué, j'y veillerai en personne. Je m'engage à les venger. À présent, je vous laisse, vous et vos misérables compagnons, à votre sinistre destin. Je ne savais pas qu'il vous connaissait. Et nos routes se sont croisées plusieurs fois. Il vous a même gratifié d'un surnom. Ça, je l'ignorais, capitaine. Un honneur dont je me serais bien passé. On dirait que les Kilrati commencent à se faire du mouron. Oui, notre petite incursion sur Ariel y est certainement pour quelque chose. Hops. Les Kilrati ont toujours pensé que la guerre était psychologique. Pour eux, la propagande est une arme à part entière. Pour moi, c'est gaspiller sa salive. Ils appellent ça la politique de la race supérieure. Un concept social qui ne fait peut-être pas honneur à ma race. Concept social? Non, mais on aura tout vu. Des bêtes sauvages qui parlent de concept social. Je veux que tous les systèmes de transmission soient opérationnels dans une heure. Venez dans la salle de conférence. À vos ordres. Ah, colonel. J'espère que vous ne vous faites pas une montagne de tout cet air chaud que les Kilrati ont eu la gentillesse de nous envoyer. Bien sûr que non. Tant mieux. L'état-major a l'intime conviction que l'ennemi dispose sur Ariel d'un engin spécial qui lui a permis de masquer notre base d'envol avec des gaz nébuleux.
Nos experts pensent qu'Ariel est le seul système où ce genre de choses est possible, ce qui expliquerait pourquoi il y a autant de convois Kilratis qui circulent dans ce secteur. Voilà qui est rassurant. J'avais peur qu'il arrive la même chose avec toutes nos bases d'envol. Bien. Le message du prince que nous avons intercepté indique clairement que les Kilratis vont nous tomber dessus à bras raccourcis. Par conséquent, nous nous séparerons de notre escorte une fois que nous serons dans la nébuleuse, et vous, vous protégerez ces deux destroyers. Une autre base d'envol a été localisée à l'intérieur de la nébuleuse. À partir de cette base, nous pourrons abattre nos poursuivants, puis nous replier. Faites de votre mieux, colonel. Bonne chance. Morflé ce coup-ci. Capitaine, les Kilratis se dirigent droit sur nous. Et c'est certainement pas pour discuter le bout de gras. Hein. Ils survolent notre base d'envol. Mon père trouvait toujours une solution quand il était confronté à une situation comme la nôtre. Il ne s'avouait jamais vaincu. Pour lui, il n'existait pas d'obstacle insurmontable. Je viens de recevoir un message hologramme de mon père. Rollins a réparé le système. Il pilote quel type d'appareil ces jours-ci? Il pilote un bureau pour l'instant. Et je parie que ça le rend complètement dingue. Oh, ça vous pouvez le dire. Piloter, c'est une drogue. On a du mal à décrocher. Et j'aimerais bien le rencontrer un jour. Mais c'est grâce à des types comme lui que nous n'avons pas perdu la guerre. Lui aussi, il aimerait vous rencontrer. Je lui ai dit que je faisais partie de votre escadre, ça lui en a bouché un coin. C'est vrai? Merci. Venez, colonel. Comme toujours, votre mission est d'une simplicité enfantine. J'en doute pas. Vous voyez ces chasseurs Kilratis qui ont quitté leur escadre? Je pense qu'ils ont localisé la base d'envol. Et qu'ils ont l'intention de sortir de la nébuleuse afin de pouvoir transmettre par radio la position de la base à leur état-major. Vous devez les en empêcher et les détruire tous, sans exception. Je dis bien tous. Bonne chance, colonel. Échappée belle. On peut dire qu'on a du bol. D'abord une nébuleuse et maintenant une ceinture d'astéroïdes. J'ai l'impression d'aller d'un parcours d'obstacle à un autre. Il faut voir le côté positif, Maniac. Et lequel? Pour les Kilratis, ça n'est pas plus facile. Eux aussi, ils doivent naviguer à travers ça. Ah, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'ils ont des yeux dans le dos, parfois. Bizarre, ces créatures. Jetons un coup d'œil à votre mission. À vos ordres. Vous allez devoir nous conduire jusqu'à cette nouvelle base d'envol. L'état-major a changé ses projets en ce qui nous concerne. Un mouvement de force aussi important que le nôtre
ne passera pas inaperçu dès qu'il rate. Nous pouvons donc nous attendre à des adieux, disons, tonitruants. Alors, bonne chance. Mais nous les avons écrasés comme de vulgaires insectes. Une escarmouche insignifiante et vaine, tout à fait indigne de votre attention. Je suis à bout, cette guerre me fatigue. Je ne connaîtrai le repos que lorsque les humains seront vaincus. Leur résistance m'accable. Oh, quelle tristesse et quel affront pour un empereur qu'il ratit d'être obligé de subir une épreuve aussi pénible durant les derniers jours de son règne. Non, mais voyons, Votre Excellence, comment pouvez-vous dire une telle chose? Vous avez encore bien les années devant vous. Majesté, bientôt l'ensemble de la Confédération Terrienne sera notre pote. Vous serez le maître de l'univers. Moi, le prince Trakan, j'en fais le serment solennel. Ah, prince, vos paroles me réchauffent le cœur. Une grande page de notre histoire va être tournée. Votre Majesté, nous sommes sur le point d'envoyer un message aux Terriens. Je suppose qu'il s'agit du fameux message dont nous avons même parlé l'autre jour. C'est exact. L'heure de la victoire a enfin sonné. Merci. À votre avis, colonel, est-ce que nous sommes en train de gagner cette guerre ou est-ce qu'on peut creuser nos tombes? Cette guerre dure depuis des dizaines d'années, elle ne va pas se terminer du jour au lendemain, faut pas rêver. Cette grande gueule de Rollins, personne ne l'écouterait si l'état-major faisait pas tous ses mystères. Mais si l'état-major ne nous dit rien, c'est parce qu'il ne sait plus où il en est. Autrement dit, on est livrés à nous-mêmes. Absolument, chacun pour soi. C'est certainement pas l'état-major qui va nous sortir de ce merdier. Merci. Engagez-vous, qu'il disait, et vous verrez l'univers. Comme c'est parti, je ferais peut-être bien de m'acheter une ferme en territoire qu'il a raté. Ce qui me plaît chez vous, lieutenant, c'est votre optimisme débridé. Non, vous rigolez, mais d'après tous les messages que j'ai déchiffrés, nous n'en menons pas large. Nous sommes dans une situation dramatique, pour ne pas dire désespérée. Alerte rouge, tous les pilotes parés à décoller. Alerte rouge, les Kilrati nous attaquent. Ce n'est pas un exercice, je répète, ce n'est pas un exercice. Vous n'avez pas confiance en mes armes. Thank you.
m'ont morflé ce coup-ci. Voici votre nouvelle mission. À vos ordres, capitaine. Il s'agit d'une opération toute simple, de localisation et de destruction. L'état-major veut se rendre maître de cette ceinture d'astéroïdes pour des raisons stratégiques. Et d'après nos services de renseignement, il est possible qu'une base Kilrati soit dissimulée. À vous de la détruire. Faites de votre mieux. Bonne chance. Je sais que ce n'est pas évident de combattre les Kilrati, colonel, mais le Victory est toujours le dernier sur la liste à recevoir de nouveaux appareils. Alors la prochaine fois, essayez de ramener votre chasseur avec vous, s'il vous plaît. À vos ordres. Eh oui, pas de répit pour les guerriers. Allons-y. Si vous y tenez, capitaine. Maintenant que nous avons détruit leur base, les Kilrati ne vont pas tarder à envoyer la cavalerie. Je veux que vous leur tendiez une embuscade, colonel, et que vous les empêchiez de passer. Allez, au travail. Auriez-vous perdu la raison, colonel? On ne largue pas un appareil dans la nature dès qu'on a un Kilrati aux trousses. Vous croyez peut-être qu'on a des petits lutins qui nous fabriquent des avions ici toute la journée? On ne s'éjecte qu'en cas de force majeure, est-ce compris, colonel? Ah, disparaissez de ma vue! À vos ordres. Je me demande où vous avez appris à piloter. Vous avez intérêt à revoir toutes vos bases dans le simulateur. Ça ne sera pas du luxe! Vous vous sentez bien, colonel? Vous avez vu le médecin du vaisseau? Mais je vais très bien. Oh, je vous demande ça parce que pour un pilote qui a une réputation comme la vôtre, vous n'avez pas été très très brillant jusqu'à présent. Il serait peut-être temps de cesser de nous juger les uns les autres et de commencer à faire notre travail. Venez, colonel. Comme toujours, votre mission est d'une simplicité enfantine. Je n'en doute pas. Je veux que vous réduisiez cette base en cendres, colonel. Il ne faut pas qu'ils puissent la reconstruire. Je veux qu'il ne reste rien. Décollage immédiat. Comme vous le savez, colonel, selon le code militaire galactique de la Confédération, c'est un crime capital d'ouvrir le feu sur un pilote de sa propre escadre. Vous comparaîtrez devant une cour martiale. Venez avec moi, je vous prie.
vous rappelle qu'un ordre de mission ne se discute pas, colonel. Mais je vous comprends. Ce vaisseau est loin d'offrir le confort auquel vous êtes habitué. Et vous vous méprenez, je voulais juste... Le Victory ne pourra que se féliciter d'avoir à son bord un chef d'escadre de votre expérience. Merci, amiral. Mais nous pourrions nous discuter de... Je déteste me répéter. Seriez-vous dur d'oreille? Non, amiral. Disons que je... Colonel, votre navette vous attend. À vos ordres, amiral. Bienvenue à bord du Victory, colonel. Merci, capitaine. Plus connu sous le nom de poubelle volante. Colonel Blair reports to the briefing room. Colonel Blair reports to the briefing room. Wait. Pas une bonne à tout faire. C'est un grand privilège de vous avoir à bord, amiral. Je vous remercie, capitaine. Amiral. Ah, très bel équipage. Quel honneur. Le légendaire colonel. Très heureux de vous revoir. Merci, amiral. Il n'y a pas de pilote légendaire sur ce vaisseau, juste des gens qui essaient de gagner cette guerre. Votre modestie est admirable, mais un tout petit peu déplacée, je dirais. Continuez votre excellent travail. Ah, je me suis permis d'amener mon cuisinier personnel. On devrait pouvoir manger quelque chose de correct. Ah, pour vous, ça doit être une rencontre du troisième âge. Tout d'abord le prince Kilrati et maintenant l'amiral Tolwyn, qui sera le prochain. Désolée, je sais à quoi vous pensez. Vraiment? Vous lisez dans mes pensées? Non. J'en connais bien plus sur votre vie que vous ne pourriez l'imaginer. Elle est colonel dans les services secrets. Comment avez-vous eu connaissance de cela? Être une femme présente certains avantages. On ne peut rien leur cacher. Alors il faut profiter de cette chance. Il y a une chose que j'ai apprise également, c'est que vos chemins se sont croisés plus d'une fois avec l'amiral Tolwyn. On ne peut pas dire que ce soit le grand amour entre nous. Lui aussi, c'est tout sur tout le monde et il applique à la lettre les règlements et les lois. C'est quelqu'un qui a un cœur de pierre. Son objectif est le même que le vôtre ou le mien. Nous voulons la victoire. Et il choisit les méthodes qu'il veut pour y arriver. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Je suis rarement d'accord avec lui. Mais c'est un amiral. Soyez le bienvenu, colonel. Comme vous le savez peut-être, messieurs, nous sommes actuellement en route vers le système de Torgo. Pour ne rien vous cacher, c'est là que va se jouer notre destin. Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter la 8e merveille du monde, le Behemoth. Après 10 années de recherche et d'expérimentation, les plus grands cerveaux de la Confédération ont réussi à créer l'arme absolue qui détruira les Kilrati.
Le Behemoth est un ensemble de superconducteurs reliés les uns aux autres et capable de véhiculer et de concentrer en un point unique une puissance de feu de 500 millions de gigawatts. Grâce à cette puissance de feu, nous pouvons détruire n'importe quoi. Même une planète? Oui, capitaine, même une planète. Idéalement, il nous aurait fallu 2 ans de tests supplémentaires, mais les circonstances m'obligent malheureusement à utiliser cette arme immédiatement. Puis-je savoir pourquoi, amiral? Vous connaissez la réponse à cette question aussi bien que moi, colonel. Depuis environ 1 an, nous sommes dans une situation quasiment désespérée. L'ennemi est sur le point de gagner. Si nous n'intervenons pas très vite de façon radicale, les Kilrati seront installés sur la Terre dans 6 mois, peut-être moins. Bref, le Behemoth va devoir entrer en service plus tôt que prévu. Mais comme le temps pressait, le système de défense du Behemoth est, comment dire, un peu incomplet. Et pas réellement optimal. Il a malheureusement quelques points faibles. À cet endroit, là et ici. Les boucliers ne sont pas assez solides et à certains endroits, la coque aurait dû être renforcée. Et quelques tourelles laser supplémentaires auraient été les bienvenues. Colonel, c'est vous qui assurerez la protection de ce vaisseau. Le Behemoth, messieurs, constitue notre dernière chance de gagner cette guerre d'une manière nette et définitive. Oui? Oui, oui, c'est noté, je vous remercie. Ça y est, le vaisseau est armé. Mère Grand, que votre canon est imposant. Belle bête, hein? Comme vous dites, j'en ai la chair de poule. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais les boucliers sont nuls. Il faut tellement de carburant que les réservoirs prennent toute la place, au détriment du reste. Ils amélioreront les boucliers pour le prochain modèle. Ouais, avec piscine et jacuzzi. Nous voici dans le système de Torgo, messieurs. Mon souhait n'est pas réalisé. Notre rendez-vous avec le Behemoth ne s'est pas déroulé comme prévu. Les Kilrati, comme d'habitude, ont gâché la fête. Colonel, ceci est la mission la plus importante de votre carrière. Vous devez protéger le Behemoth à tout prix. Je veux tous vos pilotes comme escorte. Est-ce que c'est clair? À vos ordres, amiral. Devrait beaucoup vous intéresser. Ce sont des messages codés? Ouais, et il y en a un paquet. Mais ce ne sont pas les codes usuels. J'ai tout essayé, je parviens pas à les déchiffrer. Lieutenant, nous avons un amiral à bord. Tous les messages des officiers supérieurs sont codés. Je sais, mais c'est la première fois que je vois ce genre de code sur ce vaisseau. Ça, c'est Tolwyn tout craché. Faut toujours qu'il fasse des mystères. Avez-vous vraiment tout essayé? Colonel, je sais que vous me prenez pour un cinglé, mais je connais mon job. Tenez-moi au courant. À vos ordres. Non, là, il nous faut simplement être très prudents. Oui. Là. Ça me fait plaisir de vous revoir à votre poste. Ouais. Je suis très touché, colonel, mais l'amiral est toujours à bord. Être un amiral exige un certain état d'esprit. Et en toute honnêteté, je préfère commander un seul vaisseau à la fois. Au moins, je sais où je vais. Mais revenons à nos moutons. Le Behemoth n'est pas encore prêt à décoller, et nous devons empêcher les Kilrati de s'en approcher. Vous allez donc poser des mines sur ces 3 bases, afin d'éliminer tout un truc qui s'y poserait. Quant à la 4e, elle nous servira de base d'envol quand nous partirons avec le Behemoth. Entendu?
Vous avez vraiment assuré. Merci, chef. Ah, voici notre héros. Je dois avouer que vous m'avez beaucoup impressionné, toujours aussi efficace. Puis-je vous parler en privé? Oui, je vous écoute, colonel. Voilà. Quel est très exactement votre statut sur ce vaisseau, monsieur? Écoutez, sachez que j'ai pris les rênes du projet Behemoth il y a de cela 10 ans. Sans intention d'usurper le commandement? Colonel, vous devriez surveiller votre vocabulaire. Un amiral, par définition, n'usurpe pas. Je croyais que nous étions enfin parvenus à une sorte de respect mutuel, mais j'avais tort. Vous avez sans doute compris que votre affectation n'était pas tout à fait le fruit du hasard. Nous allons lancer cet engin contre Killra, n'est-ce pas? Que feriez-vous si vous possédiez l'arme la plus puissante de l'univers? Ah, colonel. Le Behemoth est réparé. Il ne nous reste plus qu'à lui faire le plein de carburant. Et avec ce qu'il consomme, ça va être difficile. Bien. Nos services de renseignement nous ont informé de la présence d'un convoi de vaisseaux ravitailleurs Kilrati dans cette ceinture d'astéroïdes. Vous devrez immobiliser au moins 3 de ces vaisseaux ravitailleurs. Votre flotte entrera dans la ceinture depuis cette base, ici. Le Behemoth sera constamment à 4 minutes derrière vous. Ce sera donc le temps maximum dont vous disposerez pour éliminer tout vaisseau ennemi qui voudrait l'attaquer. Vous partez immédiatement. Vraiment assuré. Merci, chef. Vous voulez un billet, colonel? Un billet, pourquoi? Eh bien, pour l'inauguration de mon bar. Tout le monde dit que la guerre est bientôt finie. Il suffit d'utiliser le Behemoth. Et puis, adieu à nos amis les Kilrati. Colonel. J'ai ouï dire que vous aviez été tensé par l'amiral lui-même. Je mérite presque une médaille pour ce que j'ai enduré. C'est une honte! Comment osez-vous porter une tenue pleine de cambouis? Non mais d'où est-ce qu'il sort ce type? Il croit sans doute qu'on les nettoie par télépathie, les moteurs. Tolwyn est très à cheval sur le règlement. Je n'avais pas remarqué. En tout cas, je fais le serment solennel que si un jour, après la guerre, ce mec me confie sa voiture, je sabote sa direction. N'oubliez pas de me prévenir, j'apporterai la lime. J'ai pris la direction des opérations, colonel. Sans vouloir vous offenser, amiral, ça ne me surprend pas du tout. Nous n'allons pas tarder à lancer le Behemoth sur son objectif. Aussi, j'ai décidé de prendre le commandement de ce vaisseau. En d'autres termes, le sort de la Confédération est entre mes mains. Bien. Jetons un coup d'œil à la mission que je vais vous confier. Nous allons bientôt entrer dans le système de Loki.
testerons le Behemoth sur Loki 6, qui abrite une petite base militaire qu'il radie. Loki 6 est une planète unique en son genre, en ce sens qu'elle est en orbite autour d'un quasar. Comme vous le savez, un quasar bloque toute communication avec l'extérieur. Autrement dit, la base ne pourra pas réclamer de secours. Et quand les Kilrati enverront finalement un vaisseau pour voir ce qui se passe, nous serons juste au-dessus de Kilra. Mais avant de pouvoir tester la puissance du Behemoth, nous allons devoir faire le ménage. Votre mission consistera à nettoyer tout le secteur autour de Loki 6. Ne laissez aucun vaisseau Kilrati s'échapper. Nous ne voulons pas être inutilement dérangés pendant que nous testons le Behemoth. Tout est clair? Et tout est clair, amiral. Avait fait baver. Eh oui, chef. Je dirais que Tolwyn va prendre le commandement du vaisseau. J'avais dit au capitaine de se méfier, mais il m'a pas écouté. Maniaque, personne sur ce rafion ne serait assez fou pour écouter vos conseils. Je lui ai parlé d'homme à homme, avec mon jugement et mon cœur. En plus, vous avez monté Tolwyn contre moi. Résultat, il m'ignore complètement. Si vous voulez tout savoir, ça n'est pas à cause de Tolwyn que vous n'avez pas eu votre promotion, mais à cause de votre style de pilotage, mon vieux. Tolwyn ne sait même pas que vous existez. Oh, là, vous vous courez. Tous les membres de cet équipage me connaissent, et sans exception. Combien de personnes ici me connaissent, hein? Oh, vous foutez de moi? Colonel? Vous me paraissez très nerveuse, Cobra. À votre place, je laisserai un peu le couteau tranquille. On est encore loin de Kilra. Hélas, pour moi, je voudrais déjà y être. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit aussi désireux de détruire l'ennemi. Je suis capable d'aller de planète en planète pour débarrasser la galaxie des Kilrati. Les Kilrati ne méritent pas de vivre. Et je parle aussi de votre ami Hobbs. Lieutenant, allez-vous vous décider à changer de disque un jour ou l'autre? Vous ne pouvez pas comprendre. Alors racontez-moi. Ils m'ont capturé quand j'avais 10 ans. Qui ça, les Kilrati? Mise dans un camp de travail. À 20 ans, j'ai pu m'en échapper. Je ne savais pas. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vécu là-bas. Et de ce que j'ai vu. Durant des années, les psys ont essayé d'extirper de ma tête les horreurs que j'ai supportées. Ils n'y sont pas arrivés. Il subsiste en moi une parcelle de Kilrati, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je n'aurai plus rien d'humain un jour. Nous les aurons. Vous verrez. Répétez-moi ça souvent, colonel. Même si c'est faux. Puis-je vous parler franchement, amiral? Vous n'êtes pas le genre d'homme à mâcher vos mots. Avec tout le respect que je vous dois, depuis que vous avez pris le commandement, le moral des troupes a baissé. Je me moque totalement de ce que l'on peut penser de mes choix tactiques. Si ma mémoire est bonne, vous n'étiez pas follement emballé par votre transfert sur ce vaisseau. C'était avant de connaître les membres de l'équipage, amiral. Ah oui, c'est très touchant ce revirement. Colonel, le projet Behemoth est mon enfant, colonel. C'est moi qui en suis le concepteur. Le choix était donc évident et indiscutable. Nous ne devons avoir qu'une priorité, colonel, notre victoire dans cette guerre.
vos ordres. Colonel, vous ne devriez pas être aussi loin du combat. La guerre est partout, capitaine. On n'y échappe pas. Je ne suis plus capitaine, on m'a démis. C'est la première fois que ça m'arrive depuis... Quand j'ai pris les commandes pour la première fois, je ne me rasais pas encore. Sans mon vaisseau, je ne suis plus rien. Capitaine... Ils peuvent nous promouvoir, ils peuvent nous casser, mais il n'y a qu'une chose qui compte vraiment. Quand vous vous êtes rasé la première fois, vous pouviez vous regarder dans la glace. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Est-ce qu'un représentant du service diplomatique pourrait aller accueillir à la douane un contingent d'Olfmaniens en provenance de Folio? Votre mission est simple, colonel. Couvrez-moi pendant que j'attaquerai avec le Behemoth. Je crois que c'est dans mes cordes, amiral. Ce coup-ci. Ça fait tant d'années que je ne me suis pas trouvé aussi près de Kilra. Je peux comprendre que tu aies des sentiments mitigés. Après tout, le Behemoth va détruire ta planète. Ça a été une guerre beaucoup trop longue qui nous a complètement déboussolés. Je suis à peu près sûr que lorsque la guerre sera finie, les Kilrati comprendront ton attitude. Jamais. Impossible. Personne ne comprendra jamais ce que j'ai fait. J'ai une chose à vous dire, vous êtes mon ami. Et votre loyauté est un réconfort. Les ingénieurs Calloway et Chelus doivent se présenter. Réacteur numéro 21. Nous sommes, colonel. Ça va faire 10 longues années que j'attends ce glorieux moment. Nous sommes sur le point de rallier la base d'envol. Prochaine étape, Kilra. Protéger le Behemoth à tout prix. L'avenir de la Confédération en dépend, colonel. Échappée belle. Vous me fatiguez, monsieur. Désintégrez-moi, que je puisse rejoindre mes camarades. Non, c'est hors de question. On ne désintègre pas quelqu'un comme vous. Soyez heureuse. Je vous réserve un autre sort. Sont incapables d'apprécier à sa juste valeur le sort qui attend cette femme. Car elle n'est pas n'importe qui, en plus d'être une vaillante guerrière, elle est aussi la compagne de celui que nous surnommons Cœur de Titan.
Vous avez tué un grand nombre de mes guerriers les plus valeureux depuis le début de cette guerre. Voilà votre récompense, Angèle. Le commandement de votre vaisseau, capitaine. À vos ordres. Les Kilrati savaient où et quand nous allions frapper. Et ils connaissaient les points faibles du Behemoth. Il semble évident que vous avez une taupe à bord de ce vaisseau, capitaine. Sauf votre respect, je ne vous permets pas de mettre en doute la loyauté et le patriotisme de mon équipage. Les guerres sont toujours aléatoires. On ne peut pas savoir d'avance qui va gagner. Et puis n'oublions pas que c'est vous qui aviez le commandement. Amiral. Battez-vous bien, capitaine. Ce conflit est parti pour durer longtemps. Code 234K, code 234U, reçu et enregistré. Je crois que ce verre vous fera beaucoup de bien. C'était traumatisant la façon dont les Kilrati se sont acharnés sur nos points faibles. D'une certaine façon, Trakat aussi vous a attaqué sur votre point faible. J'ai de la peine pour vous. Vous voulez de la compagnie ? De la compagnie ? Ah ouais. Je ferais mieux de plus toucher à ça. C'est pas vraiment le bon remède. Hé hey, allez taper sur une carlingue, défoulez-vous, colonel, évacuez tout ce chagrin. N'attendez pas d'être dans le cockpit. Alerte rouge, tous les pilotes parés à décoller. Alerte rouge, les Kilrati nous attaquent. Ce n'est pas un exercice, je répète, ce n'est pas un exercice. C'est comme ça vous affrontez vos problèmes? Allez jouer ailleurs, lieutenant. On doit toujours piloter avec sa tête, jamais avec ses émotions. Ça ne vous rappelle rien? Vous retenez bien vos leçons, lieutenant. À votre avis, j'ai le temps de boire un café avant la prochaine bataille? Je ne sais pas. Les Kilrati n'ont pas pour habitude de nous dire à quelle heure ils vont attaquer. Nous déplorons tous la mort d'Angèle. Nous savons ce que vous ressentez. Ce devait être une femme exceptionnelle. Ouais. Exceptionnelle. Nos capteurs peuvent localiser tout mouvement suspect à bord, n'est-ce pas? Bien, ouais. Ouais, je suppose que ça doit être possible. Faudrait que je modifie certains programmes. Eh bien, faites-le! Pour une fois que votre parano peut nous servir à quelque chose. Ce serait bien la première fois. Qu'est-ce que vous mijotez? Eh bien, voilà, quelqu'un continue d'envoyer ses messages indéchiffrables vers l'extérieur.
Cobra pense que Hobbs... Je sais déjà ce qu'elle pense, lieutenant. Colonel, les Kilrati guettent le Behemoth. Ils sont au courant de tous nos faits et gestes. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez encore faire confiance à ce... D'accord, j'admets que tous nos malheurs ne semblent pas uniquement dus à la malchance. Alors continuez de travailler sur ces messages codés. À vos ordres. Et Hobbs, colonel? Pour l'instant, nous nous contenterons de suspecter tout le monde. Après la bataille. J'aurais aimé y être. J'en ai marre d'être coincé derrière un bureau. J'ai entendu dire que tu avais une explication avec Trakat. Ouais, c'est exact. T'es une belle ordure. Ça m'ennuie beaucoup que tu l'aies appris comme ça. Tu le sais depuis quand? L'officier de jour est demandé dans le quartier du commandant Verrier. Depuis la destruction du Concordia. Hein? T'as pas perdu la main, en tout cas. Sur Vespus, tu le savais, tu as menti. J'ai obéi aux ordres. Comment as-tu pu, après toutes les missions qu'on a faites ensemble? J'ai voulu te protéger en gardant le silence. T'as vu la connerie que t'as failli faire quand tu l'as su? Je voulais avant tout te protéger de toi-même. Tu sais combien elle comptait pour moi. Je sais, mon vieux. Mais la guerre est cruelle. Chacun d'entre nous a perdu quelqu'un de cher. Tu n'es pas une exception. Ouais, j'ai déjà entendu ça. D'ailleurs, Angel peut encore nous aider à gagner. Juste avant d'être emprisonnée sur Kilra, elle a envoyé un message radio. Ce serait peut-être bien que tu l'entendes. Monsieur Chou Yinfa. Je t'attends dans la salle de conférence. Nous avons beaucoup de choses à voir. Le Behemoth n'était pas la seule surprise que la Confédération avait en réserve. Nous aussi, dans les services secrets, nous avions notre petite surprise. Une petite surprise qui ne se serait jamais concrétisée si Angel n'avait pas été là. Angel avait emporté avec elle un imposant matériel scientifique. Elle en a placé une partie en orbite autour de Kilra, et le reste au sol, sur la planète elle-même. Tous ces mouchards sont indétectables et envoient un signal de faible fréquence à un satellite de communication qui nous relaie les informations. Elle n'est pas morte pour rien. Tout le travail qu'elle a accompli continue de porter ses fruits. Nous savons désormais que Kilra est plutôt fragile comme planète et que les couches de son écorce se frottent entre elles. Ces plaques tectoniques ne cessent de se mélanger à la façon d'un jeu de cartes. Et je pense que c'est à cause de cette activité sismique que nos petits copains, les Kilrati, ont fini par devenir une race agressive et itinérante. Si j'ai bien compris, Kilra a un talon d'Achille. Ces 10 dernières années, nos chercheurs ont mis au point une arme à fréquence sismique, la Trembleur Bombe. La théorie est la suivante. Si on envoie cette bombe avec une précision absolue, la détonation atteindra une certaine fréquence qui déclencherait une réaction sismique en chaîne. Et toute la planète sera secouée de part en part avant de se désintégrer. Mais en admettant que nous réussissions à détruire leur planète, il leur restera des armées partout. Oh, allons, leur culture est basée sur une hiérarchie stricte et centralisée. Le gouvernement est installé à Kilra. L'empereur est un dieu. Tous les Kilrati sont prêts à mourir pour lui. Si on détruit cette hiérarchie, on détruit tout le reste. Eh bien, dans ce cas, allons-y. Finissons-en avec eux. Nous avons un petit problème. Il n'y a pas de bombe. Docteur Séverin, qui dirigeait le projet, a été capturé par les Kilrati il y a un an. Nous avons évidemment essayé d'assembler la bombe, mais nous avons eu tout faux. Il faut récupérer Séverin.
Je ne pense pas que les Kilrati le relâcheront pour bonne conduite. Quoi? Vous voulez qu'on aille le délivrer de sa prison? Sans lui, nous ne pouvons pas terminer la bombe. Bien, examinons cette mission d'un peu plus près. La planète carcérale où est détenu Séverin, c'est Alcor 5. Nous allons l'aborder par derrière. Colonel, vous allez partir en éclaireur, nettoyer le secteur et vous assurer que nous ne serons pas détectés. Oui, il ne faut surtout pas que nous soyons détectés. Tout est clair? Tout est clair. Vous avez vraiment assuré malgré votre chagrin. Les hommes de votre trempe, c'est rare. Oui. Merci, lieutenant. Quand je repense à la façon dont j'ai disjoncté à Lokanda, j'ai de la peine pour ce qui est arrivé à Angel. Et tous partagent votre douleur. Ce devait être une femme exceptionnelle. Tout le monde parle de la prochaine mission. Il paraît qu'on va aller récupérer le docteur Séverin. Ou plutôt le docteur Holocauste, comme l'appellent ses vieux amis. Vous connaissez Séverin? Ouais. Ça, on peut dire que je le connais. Et si vous voulez mon avis, les Kilrati ont très bien fait de l'enfermer. Dites-moi, est-ce que tout ça ne serait pas relié à votre mystérieux passé? Exact. Je n'ai pas toujours été pilote. Vous avez entendu parler de Pax 7? Oui. Il y avait eu pas mal de gens tués. Un accident, il paraît. Des millions de gens ont été tués. Et ce n'était pas un accident. C'était une de ces expériences de démolition dont raffolait Séverin. À l'époque, je bossais pour lui. Bien entendu, il savait ce qui allait se passer, mais il n'a pas jugé bon de prévenir la population. Après le drame, la Confédération a essayé d'étouffer l'affaire, mais tout le monde s'en foutait de toute façon. Les Paxiens étaient un peuple de pauvres paysans qui n'avaient aucune armée à nous offrir. Les équipes de mécanos doivent se présenter dans les ateliers... C'est après que je suis devenu pilote. Dans le cockpit, je suis face à l'ennemi. Il est dans mon viseur et je peux le... C'est pas un civil que je bats, c'est un combattant. Mais si l'enfer existe, je sais qu'on m'y a réservé une petite place bien au chaud, à côté de Séverin. Peut-être bien qu'une rédemption est possible pour lui. Peut-être que grâce à lui, on va gagner cette maudite guerre. Ce serait vraiment un gag. Dernières années, nos chercheurs ont mis au point une arme à fréquence sismique, la Trembleur bombe. La théorie est la suivante. Si on envoie cette bombe avec une précision absolue, la détonation atteindra une certaine fréquence qui déclenchera une... C'était une taupe. Il nous espionnait. Il faut l'emmener à l'infirmerie. Non, rattrapez Hobbs. Rattrapez Hobbs. Il n'en est pas question. Nous sommes tout près d'Alcor 5 et si vous poursuivez Hobbs, vous foutez toute notre opération en l'air. J'ai de la peine pour ce qui est arrivé à Angel. Et tous partagent votre douleur. Épargnez-moi vos putains de leçons de morale. Nous déplorons tous la mort d'Angel, mais arrêtez de vous habituer... Si vous avez des objections à formuler sur mon comportement, veuillez les adresser par écrit à qui de droit. Ou bien alors, allez vous faire foutre. À vos ordres. Ah.
D'habitude, j'écris à la famille quand ces choses-là arrivent. Mais pour Cobra, nous étions sa seule famille. Je n'ai pas agi avec elle comme si elle était de ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hobbs, capitaine? Si vous avez une réponse, faites-le-moi savoir, colonel. Allez, il faut que nous fichions le camp d'ici très rapidement. Qui sait ce que les Kelrati connaissent de nos plans? Allez. Nous sommes réunis ici pour un dernier adieu au lieutenant Laurel Buckley. Je ne connaissais pas bien Cobra. Et vous non plus, d'ailleurs. Elle est maintenant libérée de ce cauchemar. Pas idée à quel point je hais ce petit rituel. Et en plus, il va falloir que je rédige un courrier aux parents de Vaquero, une très belle lettre qui devrait les rendre fiers de leur fils. J'ai rédigé trop de belles lettres du même style. Je suppose qu'ils la voudront. Bon Dieu, il fallait pas faire passer vos intérêts avant ceux du vaisseau. Ne me refaites plus jamais ça. Je vais me charger du courrier à ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hobbs, capitaine? Le jour où vous aurez de réponse, vous me ferez signe. Pour l'instant, il est urgent de bouger d'ici. Parce que je ne sais pas ce que les Kelrati connaissent de nos plans. Returning to my home world. But my admiration for you compels me to provide an explanation for my actions. You must understand that the Hobbs you knew was a construct, the result of an identity overlay experiment initiated long ago by Prince Thrakath. Lord Ralga Nahalas you have never truly met. I myself never met him until I heard the Prince utter your Kelrathi title, the Heart of the Tiger. This was the trigger that awakened my true personality, hidden for so many years. Once awakened by the words of my prince, I had no choice but to perform his bidding. Kelrathi do not surrender, nor do we betray. And yet, in being true to my kind, I have betrayed you. For I have watched you, Colonel, and know you are an honorable warrior. If we meet again, we will have no choice but to perform our duties with honor. Pour moi, l'acte le plus abject de cette guerre aura été de mettre fin à la vie d'un être aussi jeune que le lieutenant Mitchell Lopez, un homme qui ne vivait que pour la musique. Thank you.
Le moment fatidique est arrivé. Nous allons récupérer le docteur Séverin. Bon, votre mission consistera à fournir une couverture aérienne à nos commandos au sol. Ils se poseront sur la planète et ils iront chercher Séverin. Je sais que t'as entendu cette phrase des milliers de fois, mais je te la redis quand même. C'est probablement la mission la plus importante de toute ta carrière. Dommage que je n'ai plus mes réflexes il y a 10 ans, autrement j'aurais volé avec toi. C'est dur de rester cloué au sol quand on a passé les plus belles années de sa vie dans un cockpit. Mais si cette mission devait échouer, que Dieu vienne en aide à l'humanité. Longtemps, Doc. Ouais, ça va, calmez-vous. J'ai fait ce que j'avais à faire. D'étudier avec beaucoup d'intérêt les derniers rapports de l'état-major. Votre Majesté, vous ne devriez pas perdre votre temps à lire tous ces comptes rendus ennuyeux et rébarbatifs. Ah, je ne comprends pas cette incursion terrienne dans le système d'Alcor. Pourquoi ont-ils lancé une opération aussi importante pour délivrer quelques malheureux prisonniers? Si vous le permettez, Majesté, je puis apporter quelques lumières à cette affaire. Parlez, je vous écoute. Les singes sans fourrure n'ont délivré qu'un prisonnier. Il s'agit d'un scientifique, d'une espèce de savant, au plus ou moins. Et est-ce que ce savant a une spécialité? Je ne suis pas en mesure de vous répondre précisément. Nous savons que ses connaissances sont vastes. Nous sommes sur le point de gagner la guerre, Majesté. Les forces qu'il radie vont bientôt lancer une ultime offensive contre la Terre. Nous avons rassemblé une gigantesque armada, une armada tel que nous n'en avons encore jamais connu. Il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. C'est lorsque l'ennemi est le dos au mur et proche de la défaite qu'il est le plus dangereux et difficile à combattre, Prince Trakat. Comme toujours, Majesté, vous êtes la sagesse même. Je saurais me souvenir de votre judicieux conseil. Vous l'avez dit qu'on pouvait pas faire confiance à Hobbs. Dommage qu'il ait fallu la mort de Cobra pour vous convaincre.
Calmos, calmos. Vous pouvez pas vous permettre de perdre notre pilote. Pour une fois, vous avez raison. Ah, pourquoi? On réglera ça dans les airs, Major, lors de notre prochaine mission. Il pourrait bien se produire un accident. Il y a certains canons qui partent tout seuls. Oh oui, je suis mort de trouille. Moi aussi, j'ai un canon, gros malin. On verra ça. Nous risquons le paquet pour récupérer ce savant qui est censé nous faire gagner la guerre. Et à peine est-il à bord, hein, que Vagabond lui casse la gueule. Ah, j'ai l'impression que ce bon vieux Vagabond va passer le reste de la guerre au bloc. Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir. Je vais aller parler au capitaine. Commençons sans plus tarder. Si l'état-major nous a envoyé ici, à Freya, c'est parce qu'il a localisé une base d'envol qui se trouve tout près de Kilra. Cette base peut nous servir de relais-étape, si j'ose dire, quand le docteur Séverin aura terminé sa bombe. Le problème, c'est que tout le secteur appartient aux Kilrati. Vous allez devoir les déloger. Bonne chance, colonel. J'ai enfin l'occasion de montrer ce que je sais faire. Pourquoi dites-vous cela, chef? Vous avez largement fait vos preuves. Vous n'avez encore rien vu, colonel. J'ai des talents cachés. Et je crois bien que certains d'entre eux vous intéresseraient. Tous les deux, nous avons besoin de chasser certains fantômes, alors ce serait peut-être une bonne idée de réunir nos forces. Oui, c'est envisageable, mais peut-être un peu risqué. Ça, on n'en saura rien tant qu'on n'aura pas essayé. Ah, colonel, quelque chose ne va pas? Capitaine, un pilote aussi doué que Vagabond ne doit pas être aux arrêts. Oh, je suis d'accord. Mais il restera en prison car cette fois, il a dépassé les bornes. Écoutez, cette guerre nous rend tous dingues et Vagabond en particulier mérite une seconde chance. Est-ce que vous êtes prêt à vous porter garant pour lui? Il volera avec moi. Je réponds de lui. Très bien. Merci, capitaine. Vous partez? Non. Je range. C'est une façon de me changer les idées. Moi aussi, j'ai fait le ménage dans ma tête. J'ai exorcisé certains souvenirs. Excellent. J'ai jamais osé vous le demander à l'époque où vous étiez sans nouvelles d'Angel. J'avais peur de me faire des idées. Mais il vous semblait que le courant passait entre vous et moi? C'est peut-être la même chose avec toutes les femmes qui sont à bord. Non, vous pouvez me croire, Flint. Je n'ai pas l'habitude de draguer toutes les femmes qui sont à bord. Et moi, je n'ai pas l'habitude de flirter avec tous les hommes du vaisseau. Mais vous seriez prête à faire une exception? Je crois. Oui. Pas de répit pour les héros, hein? Bien, commençons. À vos ordres. Nous avons un problème avec cette base d'envol près de Kilra. Elle est entourée d'un bouclier énergétique. Le générateur qui commande ce bouclier est sur Freya 2. Nous allons avoir l'occasion de voir ce que valent ces Excalibur pour les assauts au sol. C'est vous qui dirigerez l'assaut, colonel. Détruisez ce générateur. Allez, au travail. Thank you.
Oh, y aurait-il quelque chose dans l'air? Vous vous tournez vers moi et non vers Rachel? Un bon officier prend des décisions éclairs. Mm-hmm. Mais s'agit-il d'une décision provisoire ou bien d'une nature un peu plus durable? La plupart des pilotes ici pensent que notre prochaine mission sera meurtrière. Nous n'avons donc pas une minute à perdre, colonel. Non, je ne veux pas d'une femme qui risque de faire partie de mon escadre. Les enjeux sont trop importants. Colonel, examinons votre prochaine mission. À vos ordres. Maintenant que nous sommes maîtres de cette base, nous devons éliminer tous les Kilrati qui pourraient la surveiller. Il ne faut surtout pas que Kilra soit informé de notre présence dans ce secteur. Alors pas de quartier, colonel. Bonne chance. J'adore les officiers qui savent passer à l'action. Ah oui, c'est absolument vital pour un pilote s'il veut toucher sa cible. Moi aussi, j'aime passer à l'action parfois. Je ne suis pas du genre à me disperser en paroles inutiles. Navré, Rachel. Vous me flattez beaucoup, mais on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre. Je crois qu'il vaut mieux en rester là. Je suis désolé. Ah, colonel, j'ai ordonné la libération de vagabonds. Je continue à penser qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, mais nous avons besoin de tous nos pilotes d'élite. Bien, examinons votre prochaine mission. Votre vieil ami, Paladin, n'a pas vraiment chômé. Il nous a envoyé un petit cadeau. Un prototype de la Trembler Bombe. Nous sommes en route pour le système d'Hyperion, dans lequel nos services de renseignement ont localisé une planète inhabitée et sismiquement instable. Ah, c'est vraiment le site idéal pour tester la bombe. Nous avons modifié un Excalibur pour pouvoir y installer ce prototype. Et c'est vous qui avez été choisi, colonel, pour le larguer sur la planète. Vous devrez vous approcher le plus possible de la surface et envoyer la bombe en plein dans la cible que nos savants ont sélectionnée. Votre timing et votre tir devront être absolument parfaits. C'est comme si c'était fait, colonel. Ah, j'aime vraiment votre enthousiasme. Bonne chance. Colonel, prenez place. Dis donc, pour quelqu'un qui vient de se taper un petit séjour au Newf, je vous trouve en pleine forme. Je suis sorti, non? Et je ne suis plus obligé de faire des patiences, grâce à vous d'ailleurs. Merci. Oh, ça nous arrive à tous de perdre notre sang-froid. Ouais. Mais si c'était à refaire, colonel, je lui remettrais mon poids en pleine gueule. Je suis très étonnée que vous m'ayez remarqué. Et quoi que vous puissiez penser, il n'y a absolument rien entre Rachel et moi. Et ça nous avance à quoi, tout ça? Non, je suis désolée, mais je ne veux pas d'une femme qui risque de faire partie de mon escadre. L'enjeu est trop important. Mmh.
Je ne suis plus une gamine. Lorsqu'on me rejette, j'encaisse. Mais pourquoi elle ? Oh, je vous en prie, soyez heureuse de faire partie de mon escadre. Si vous me le permettez, colonel, je vais vous faire une recommandation. Ne volez jamais avec quelqu'un que vous avez vexé. Même la bonté ne les détruira pas. J'en suis sûr et certain. Finalement, je préférais quand vous étiez insolent et arrogant. Au moins, on était sur la même longueur d'onde. Je vais vous faire un aveu. Je suis surpris de sortir vivant de ces missions. Et je suppose que vous aussi, non? Vous savez, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Le pire est à venir. Attendez d'être arrivé à Killara. Eh bien, mon vieux, avec vous, il faut savoir s'adapter. Il m'a fallu opérer une petite manœuvre de diversion. Y aurait-il de l'espoir pour moi ? Rachel, il faut m'excuser, mais les jours à venir vont être cruciaux pour la Terre. Nous devons garder les idées claires. Est-ce que vous comprenez ? Vous, les pilotes, vous êtes tous les mêmes. Vous ne voulez jamais vous mouiller. Merci. Envoyez immédiatement un rapport sur l'état de l'armement au bureau du capitaine Eisen. Je suis allé à peu près partout, dans toutes les galaxies. Et presque toujours, c'était merdique. J'ai eu quelques bons moments, et surtout beaucoup de mauvais. Ça, là, vous l'aventurier, vous me faites la grande scène de la nostalgie. Non, c'est pas ça. Je pensais qu'ici, sur le Victory, pour la première fois, j'ai l'impression d'être chez moi. Vous avez une bonne influence sur tout le monde ici. Vous ne vous prenez pas trop au sérieux et vous êtes un sacré bon pilote. Merci, colonel. Vous non plus, vous n'êtes pas mal. On se fait un petit poker ? Je ferais peut-être bien de me faire soigner. Dans ma famille, j'ai vécu qu'avec des pilotes. Et il n'y a pas plus inconstant que ces types-là. Vous oubliez un détail. Vous êtes pilote, vous aussi. Non, eh bien, dans ce cas, ça change tout. Commençons, si vous le voulez bien. À vos ordres. Nous retournons dans le système d'Hyperion. L'état-major a décidé que c'était l'endroit idéal pour y rassembler une flotte. Mais il semble que les Killrati soient au courant de nos projets. Alors, nous allons escorter toutes les grosses légumes. Voilà. Bonne chance. Je n'ai que très modérément apprécié votre petit manège dans la salle de détente. Ah. Flint et moi, nous sommes pilotes, tous les deux. Nous nous comprenons. Eh bien, puisque je ne semble pas me trouver sur la même longueur d'onde, vous armerez vous-même votre chasseur à partir d'aujourd'hui. Après tout, je ne suis qu'un mécano. Comment pourrais-je comprendre les besoins d'un pilote ? Voyons, Rachel, pourquoi vous...
Est-ce que par hasard vous vous moqueriez de moi? Depuis le fameux soir où vous m'avez embrassé, je ne fais plus partie de votre escadre. J'ai été obligé de redistribuer les postes. Oui, cela ne m'explique pas pourquoi je n'ai plus le droit de piloter. Et je veux juste vous protéger, c'est tout. Alors ça, c'est la meilleure. J'exige que vous me remettiez immédiatement dans l'effectif. Est-ce que c'est clair? Écoutez, j'ai déjà perdu une pilote. Je n'ai pas envie d'en perdre une autre. Cette guerre peut très bien se passer de vous. Et vous de moi, colonel? Les obsèques des pilotes Fenian, Rice et Lackey auront lieu dans la chapelle universelle à 24 heures. Examinons votre nouvelle mission, colonel. À vos ordres. Notre base dans le système de Freya est sous la menace d'une attaque ennemie. Il ne faut pas que les Kilrati nous la reprennent, puisque c'est là que nous comptons nous replier lorsque nous aurons détruit Kilra. Au travail, colonel. Et bonne chance. Voilà. Vous connaissez tous nos objectifs. Ce sera tout. Maniac, vous allez voler avec moi. J'espère ne pas avoir à le regretter. Sera lancé dans 48 heures. Oh, délice, je respire déjà le doux parfum de la victoire. On ne peut jamais savoir qui l'on va affronter, mais j'espère avoir l'occasion de livrer un ultime combat singulier contre cœur de Picard. Car ainsi notre triomphe sera parfait. J'attends ce moment avec impatience. À pic, j'avais quelque chose à vous dire. Au départ, je n'étais pas très chaud à l'idée de vous avoir à bord du Victory, mais j'ai fini par réviser mon opinion. C'est pour moi un très grand privilège de servir à vos côtés. Réciproque est vrai, capitaine. Cette bombe T, j'ignore si on peut compter dessus, mais d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a que vous qui puissiez nous sortir de ce merdier. J'espère pouvoir honorer cette confiance, capitaine. Ouais, je suis pas inquiet. On y va ? Code 234K, code 234U, reçu et enregistré. Messieurs, notre objectif est très simple. Nous allons désintégrer la planète Kilra avec la bombe T. Comme il nous est impossible d'amener toute notre flotte à proximité de Kilra, nous avons équipé notre Excalibur d'un brouilleur ultra sophistiqué qui vous permettra d'être invisible.
Ce brouilleur a pour effet de neutraliser tous les systèmes de détection ennemis, mais il consomme aussi un maximum d'énergie. Par conséquent, dès que vous aurez largué la bombe, ce brouilleur se déclenchera automatiquement afin que votre appareil ait l'énergie nécessaire pour s'éloigner au plus vite avant l'explosion. Votre première étape consistera à former une escadrille de 4 chasseurs et de pénétrer dans le système de Killra, où vous rallierez une base de ravitaillement clandestine établie par nos services secrets. À cause de sa masse et de la fragilité de ses circuits, la bombe T a été amenée là-bas en pièces détachées et assemblée sur place. Vous n'aurez plus qu'à la charger dans votre appareil et foncer sur la cible. Pour mettre la bombe en plein dans le mille, colonel, vous devrez piloter à la perfection. Comme vous le savez, l'état-major a l'intime conviction que la destruction définitive et complète de la planète Killra mettra fin à ce conflit. D'ailleurs, le moment est propice, messieurs. Car d'après nos services de renseignement, la plupart des vaisseaux Killrati sont en réparation ou en révision dans les chantiers qui entourent leur planète. Colonel, si tout se passe comme prévu, vous ne serez de retour sur le Victory que lorsque vous aurez complètement détruit leur planète. C'est tout ce que vous avez à me dire, capitaine. Un vieil ami à vous va me relayer. Écoutez bien. Rebonjour, mon ami. Le capitaine Eisen t'a fourni pas mal d'informations, mais moi aussi j'en ai à te communiquer. Tu les trouveras de l'autre côté de la base. Je ne vole pas avec toi dans ton escadre comme par le passé, mais je suis avec toi. Ça, tu peux en être certain. Colonel, bonne chance. Merci, capitaine. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Maniac, vous allez voler avec moi. J'espère ne pas avoir à le regretter. Si tu regardes ces images, ça veut dire qu'on tient le bon bout. Alors il n'y a plus de temps à perdre. Les hommes ont réussi à installer un dépôt de ravitaillement secret près de la planète Killra. Espérons que les Killrati ne trouveront pas ce dépôt, parce que c'est là que tu devras charger la bombe T pour le bouquet final. Je te recontacterai, tout se passera bien. Je t'avais bien dit qu'on se reverrait, mon ami. À présent, la bombe T est chargée et opérationnelle. Il ne te reste plus qu'à la déposer tranquillement, en douceur. À cet instant précis, nous sommes en train de t'envoyer toutes les coordonnées. Maintenant, la balle est dans ton camp. Envoie-les en enfer, ces ordures. Thank you.
plus profond de moi, j'aimerais te tuer. Essaye toujours, mais c'est pas ça qui te ramènera à ta planète. Je n'arrive toujours pas à croire que notre planète a été détruite. Une espèce sans planète n'est plus rien. Les Kilratis sont une race vaincue, cœur de tigre. Hélas, il n'y aurait aucun honneur à tuer le vaillant guerrier qui a été à l'origine de la chute de l'Empire Kilrati. Une ère nouvelle s'ouvre à nous. Nous avions sombré dans la corruption. Nous étions devenus un peuple assoiffé de sang. Une race cruelle et maléfique. Mais nous en avons payé le prix. Nous avons décidé de nous rendre sans condition. Accepte notre reddition. Jamais encore le peuple Kilrati n'avait déposé les armes. Il est temps pour notre race de commencer une nouvelle vie, cœur de tigre. Les Kilrati ne veulent pas mourir en tant que race. Je te demande grâce. Isn't that the guy from Star Wars?